Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit tuto pour plusieurs façons de faire les betteraves sucrières. Quoi, les betteraves sucrières coupées, pardon. Alors, soit vous remplissez ce godet, soit votre silo qui est par terre ou dans votre hangar de stockage, etc., etc. Soit vous le videz dans votre benne. Vous voyez, c'est quand même assez long à faire. Vous voyez, c'est même parti à côté. Ou soit vous ramassez votre tas par terre et vous allez directement à votre silo ou biogaz. Là, j'ai mis dans le silo pour faire tout simple. Alors pour le godet spécial betterave sucrière coupée, vous allez dans les chargeuses avant. Voilà, et c'est celui-ci. C'est le Ruby 2000. Et avec ça, vous pouvez faire vos betteraves sucrières coupées. Et il existe un autre mode, je ne l'ai pas ici avec moi. C'est le même que ça, mais en 2500 litres, je crois, ou un petit peu plus. Voilà, vous voyez, c'est parti à côté. Et la deuxième solution, c'est celle-ci. Vous prenez cette remorque. Alors, c'est là. Voilà, c'est celle-ci. Vous avez celle de base qui vous fait le fumier, épandeur à fumier. Et oh, sinon, vous avez le mode. Voilà, c'est celle-ci, c'est la Lizard Beat Ninja. Et avec celle-ci, vous ferez les betteraves sucrières coupées. Après, c'est un petit peu plus facile à faire. Voilà, je vous le fais en mode stationnaire. Alors, il suffit de remplir votre remorque de betterave sucrière. Voilà. Et là, si je vide, voilà. Là, il me vide les betteraves sucrières coupées. Non, il me vide les betteraves sucrières, pardon. Parce que la porte, elle se lève. Et si vous voulez les betteraves sucrières coupées, alors on recommence, on remplit la remorque de betteraves sucrières. Et le petit truc, c'est que vous faites R1. Et la flèche du bas pour côté du déchargement, vous mettez sur couteau. Et là, voilà, ça vous fait des betteraves sucrières coupées. Et après, vous restez en mode voilà, stationnaire. Et là, bon ben, voilà, là, il se remplit automatiquement. Vous faites ce que vous avez à faire
Si c'est pendant une demi-heure, ben vous laissez comme ça pendant une demi-heure, sans problème. Et voilà, vous voyez, ça remplit et ça charge en même temps. Voilà, on va arrêter. Et là, bon, ben là, si vous voulez, ça décharge à 16 km/h. Donc voilà, vous faites autre chose en attendant. Après, c'est la solution la plus facile à faire. Vous prenez deux tracteurs et vous chargez votre godet au fur et à mesure. C'est vous qui voyez comme vous avez envie de faire. Là, j'ai pris le silo magique. Et voilà, et quand c'est vide, ben vous recommencez. Mais il faut bien mettre le déchargement sur couteau et non arrière. Et si vous mettez sur couteau, ben voilà, ça vous fera les betteraves sucrières coupées. Et ben moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, un petit message ou un commentaire, et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!